Ah. Bon matin tout le monde. Un matin, on s'est réveillé sur la plage de cette île à Galix. Vraiment un coin qu'il faut venir voir ça. Si vous tripez sur les plages, la paix, la grosse paix. Puis là, j'ai même pas pris le temps de prendre un café. J'ai ramassé mes affaires. Je suis tout de suite descendu à la plage qui est à peu près à. Ouais. Je sais pas si on va le voir là. Non, t'es à peu près à 2 minutes à pied, là. Même pas, à 30 secondes. Pour me rendre jusqu'ici, ça m'a pris 2 minutes. On n'aurait pas pu trouver mieux, dans le fond, comme espace de stationnement pour... c'est juste pour passer la nuit, mais en même temps, en se réveillant le matin, on peut profiter du paysage, puis aller un petit peu sur la plage, puis des vagues. C'est-tu le fun à entendre, hein? Ça, dans les cantons de l'Est, on n'a pas ça. Fait que là... On s'en retourne sur la route, puis on s'en va à cette île au garage. Ben là, un matin, en attendant la mécanique, ben, de toute façon, on est allé au garage à 8 heures pour vérifier que tout était correct. Puis finalement, notre rendez-vous est à 10h30. Ouais, c'est ça. Fait que là, entre les deux, entre 8h puis 10h30, on a comme 2h30 à tuer. Fait que là, on a checké sur Google, on a tapé dans la barre de recherche plage, puis on est tombé sur la plage à Sept-Îles-Manigoua. Il va falloir que je vous mette ça sûrement là, genre ici, ou là. Sûrement marquer ça en quelque part là, sur l'écran, la place, parce que ça vaut la peine. Encore la Côte-Nord, c'est pour ça que moi que j'ai voulu revenir à la Côte-Nord, parce que la première fois que je suis allé, c'était pour aller à Havre-Saint-Pierre. J'ai fait ça un peu vite, mais j'ai découvert un endroit où que les plages sont tout le temps belles. C'est comme la Gaspésie, aussi tranquille que la Gaspésie, mais je pense que cette année, c'est vraiment la destination. Mais il y a une maudite gang qui sont rendus en Gaspésie qui doivent le regretter de ce temps-ci, parce que de ce qu'on entend, c'est, on va le voir aussi sur les vidéos YouTube, puis tous les YouTubers qui sont allés là vont sûrement commenter. S'ils sont allés là, ils vont sûrement dire que... Il y avait du monde en masse, puis c'était dur d'avoir un petit spot tranquille, tandis qu'ici, de ce que je vois à date, oh, j'étais à 4 jours, c'est pas tant ça coche. De ce que je vois, c'est comme en Gaspésie, quand je suis allé l'année passée, c'était 2 semaines avant les vacances. Ça fait que c'est ça, ça ressemble un peu au setup de la Gaspésie. L'année passée, avant le confinement, puis tout le monde vire fou, puis veulent sortir de chez eux, puis être en grosse nature, puis dans des beaux paysages. Au Québec, on a des belles plages, là. Faut juste se sortir un peu de nos petites habitudes, de prendre une grande route, puis d'aller à une destination, là, tu sais. De vouloir juste rouler pour aller à une place. Mais là, il faudrait lâcher cette habitude-là, parce qu'au Québec, tu sais, là, on va le redécouvrir, le Québec, là, puis on va le voir qu'on n'a pas besoin d'aller dans le Maine ni dans le New Hampshire pour avoir des belles plages, puis en même temps, ça nous permet d'encourager l'économie locale, puis c'est le genre de choses qu'on aurait dû faire bien avant ça. On est en train de redécouvrir notre Québec, tout le monde ensemble, toute la gang. Ça, c'est le fun. Ça crée, on dirait, une certaine solidarité. Le genre de choses qu'on perd un peu avec le. Ben, qu'on a perdu, puis que ça, on a été obligé de le retrouver. C'est qu'on est tout le monde un peu dans la même situation, puis que ça nous oblige à ramer tout dans le même sens.
Le gouvernement nous oblige à rester à l'intérieur de notre province. C'est sûr qu'il y en a qui vont faire le tête forte puis qui vont décider d'aller soit en Ontario, ils vont peut-être se payer un petit billet pour aller en Europe. Mais je pense que rendu là, on n'a pas tant intérêt à faire ça parce que dans le fond, c'est comme si on prenait pas le temps de vivre ce qu'on a à vivre puis qu'on est tellement pressé de passer direct sur ce petit bout-là qui nous a comme rendu un peu amer par rapport au fait qu'on perd un peu notre liberté. Mais je trouve qu'on est encore plus libre quand on peut se rendre compte qu'au Québec, on n'a plus besoin de traverser les douanes américaines puis toutes les contraintes que ça l'oblige, tu sais. Bien qu'au niveau de la nourriture, c'est plate, là, tu sais, il faut que tu arrives avec un minimum, puis après ça, tu traverses les lignes américaines, là, tu vas faire ton épicerie avec ton argent canadien, ça te coûte une fortune. Le gaz est peut-être moins cher, mais rendu là, tu sais, ça ne coûte pas une fortune de gaz, là, tu sais, le monde disait, gaz aux États-Unis, c'est moins cher, attends, d'aller me tinker là-bas, mais pour ce que ça donne, c'est complètement ridicule, c'est des scènes noires rendues là, là. On va aller chercher à peu près pour 100$ de bière. Mais qu'il me faudrait pas qu'on mette 10$ de plus de gaz, là, parce que là, ouf, ça va me casser, hein. Là, on est au Québec. On a une richesse, il faut en profiter. C'est là, là, tu sais, puis on est même... Je sais pas pourquoi qu'on s'est pas penché pour amorcer la scène qui est à terre, là. On est riche de cette... De ces points d'eau-là, de ces plages-là, de tous ces sites-là que... Parce que dans le fond, nos grands-parents allaient au Larchard ou à Whitewood ou n'importe où à Virginia Beach. Puis là, c'est une tradition familiale. Puis là, oh, c'était donc le fun quand on était petit, on allait là, puis on avait du plaisir. Mais à un moment donné, là, il faut évoluer un peu là-dedans. Là. Il faut avancer. Puis là, on est obligé de profiter de ce qu'on a. Oh, on sait donc bien de valeur. Tu sais, tirer aux États, là. Une plage de même, là, tu trouverais jamais ça, en nulle part. C'est tout le temps pacté de monde. Puis en même temps, ce qui est le fun, c'est qu'on est au Québec, ça parle en français. Moi, j'ai de la misère avec l'anglais, c'est triste. Ça m'angoisse de parler en anglais, mais là, on dirait que ça me calme de savoir que ça, on a ça à côté de chez nous. Puis je le sais, j'étais allé aux États, j'étais allé en profiter des plages là, qu'il y a là-bas. Là. Puis c'est le fun, c'est vrai, il y a comme un mindset, là. Tu sais, on dirait que quand tu traverses aux États et que tu vas sur une plage, tout le monde est en vacances, fait que tout le monde est comme content, tout le monde est ouvert d'esprit à jaser, à avoir du fun. Puis... Tandis que ce qui arrive, c'est que c'est tellement le quotidien d'une grande partie de la population qui reste sur le bord du fleuve que tu arrives, il n'y a pas un chat, parce que c'est un peu comme en Nouvelle-Écosse. Ça, c'est assez incroyable aussi là, pour ceux qui vont aller là un moment donné dans leur vie. Là, tu as des affaires, des vues à millions, puis il n'y a personne. Tout ça, c'est gratis. Il n'y a personne. Puis c'est beau, ça n'a pas de bon sens. Puis dans le temps, on payait pour prendre les grosses autoroutes américaines, pour aller vite à Old Orchard, vite à Virginia Beach, à Wildwood, à toutes ces petites places-là un peu cucu. Là, ici, là, tu mets ton gaz canadien dans une province qui est latine, le Québec, puis là, tu profites de ce que tu as. Puis là, en plus, ce qui est le fun ici, là, t'as peut-être pas les gros manèges puis la petite pointe de pizza ça coche là, que tu peux avoir là, au pire. T'as quand même la paix. T'as... Check ça, là. Tu sais, tu t'installes sur la plage puis tu tentes là, ce que tu veux, là. T'aurais pas ça aux États, là. Tu te ferais sortir sa tête, là. Les Rangers sont là, puis... Puis les plages, en plus de ça, tu peux y aller, mais tu vas payer 20$ par jour pour réussir à aller te baigner. Pff. Ici, au Québec, partout, c'est gratis, là. On est tellement chanceux, ça n'a comme pas de bon sens. Pourquoi qu'on n'en profitait pas avant, hein? Pourquoi qu'on faisait pas ça? C'est un vrai mystère. Je me pose la question. Posez-vous donc la question, puis essayez donc d'y répondre par vous-même. Pourquoi on faisait ça? Quand on a tout ça à portée de main, gratos. Moi, le côté gratos, là, il pèse vraiment très lourd, comme une tonne de briques dans la balance. Je ne sais pas si c'est le même pour vous autres.
Répondez-moi donc dans les commentaires. Ouais, ça fait qu'on est revenu à notre point de départ d'un matin. On s'est fait conseiller ce petit spot-là. On pensait peut-être aller un petit peu plus loin, mais pas se faire avoir comme hier. On a décidé de revenir à la plage de Monaghan, quelque chose comme ça, qui nous a été conseillé par, dans le fond, un petit couple quand tu allais prendre une petite bière à brasserie, microbrasserie, la compagnie. Puis juste avant ça, justement, ça a été une soirée de rencontre. À cause du COVID, on est un peu restreint sur le nombre de places qui est disponible dans les bars. Puis là, les places qui étaient disponibles étaient déjà semi-occupées par quelqu'un. Ça fait qu'ils nous ont proposé de s'asseoir avec eux. Puis ça a été vraiment des discussions super intéressantes avec Danny puis Benoît, beau-père et gendre. Du monde super accueillant qui reste à cette île. Puis après ça, nous, on avait déjà occupé... eux autres, ils ont quitté. On a occupé la balance du temps, les places... semi-disponible, puis après ça, ben je pense à Adèle, là. Moi je suis allé voir le chien qui était dans l'automobile, puis je pense c'est Adèle, toi c'est comment ça s'était passé pour ça, cette affaire-là? J'ai dit au serveur que, comme il y en avait qui avaient été gentils avec nous, qui nous avaient accueillis à leur table, puis qu'il n'y avait plus de place, que nous on rendrait l'appareil à d'autres personnes, puis le serveur il nous a jumelé avec d'autres personnes. Ah! Ça doit être intéressant. Moi, j'ai pas vu ça, cette affaire-là. Je l'ai pas vu passer. Fait que... On a fini par déguster un plateau de dégustation de bière. Je pense qu'il y avait 9 sélections. Il y avait 8 sélections, ouais, c'est ça. Puis, ouais, un très bon produit. Conseillé à tout le monde. Puis, ben là, on est sorti de là un peu fatigué quand même. Là, On a fini la soirée à la brasserie. Moi, j'ai dégusté une bière sans alcool. Question de faire passer ça. Puis, un plateau de Tostitos. Nachos. Ouais, j'ai de la misère. Hein? Vous êtes couché. Ouais, je suis bien avide d'aller me coucher là, au conseil d'Adelard. Fait que c'est sûrement ça que je vais faire parce que là, dans le fond, en arrivant, t'allais prendre une petite marche. Puis, la journée était quand même un peu fatigante. Là. C'est, t'sais, à force de rien faire, on dirait que ça nous fatigue plus que de bouger toute la journée. On a été une partie de l'avant-midi à côté après le mur du garage en attendant de savoir qu'est-ce qui se passait avec notre pièce défectueuse. Mais ça s'est quand même bien passé, sauf que c'est ça. À force de rien faire, on est plus fatigué que de bouger. Ça fait que là, je suis quand même pas mal fatigué. 9h05. Fait que, je pense que ce petit vlog-là, on va le terminer de même. Puis. Ouais, c'est presque ça qui va se passer. Je pense qu'on va quand même continuer ma soirée en me prenant une petite bière. On est quand même en vacances, là, mais je pense qu'on n'étirera pas ça longtemps. Je pense qu'à 10h, on va se coucher et on va dormir. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, puis on s'en revoit demain.